Yo, salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle petite série sur My Summer Car. Ah, ça fait très longtemps. Honnêtement, je savais plus quand j'allais recommencer une petite série ou quand j'allais y rejouer parce que voilà, vu que le jeu évolue à petits pas, on va dire, hein, il rajoute à chaque fois des petits trucs et j'ai attendu pendant très longtemps pour relancer le jeu et voir ce qu'il y a de nouveau. Il faut savoir que je suis en version expérimentale, donc ça veut dire que bah, y a des choses qui ont été rajoutées, hein, qui sont pas encore dans la version publique, entre parenthèses. Donc je vais faire une nouvelle partie directement et je vais donner mon nom de... Merde. C'est quoi ? Spencer. Jacques. Voilà. Alors, bon, permis ABC, ça c'est bon. Permanent debt, on va pas le mettre, hein, parce que sinon, si on crève, ça fait un peu con. Je vais penser à mettre une petite image sympathique, hein, de ma tronche sur le truc du permis de conduire. Et on va commencer de ce pas. Ah, excellent. Ouh putain, la souris va vite, hein. Attends, je vais régler ça. Graphics, player control. Ouais, entre parenthèses, j'ai plein de nouveaux matos, donc c'est pas la même chose quoi. Avec ma vieille souris, je pouvais pas régler la vitesse ici, apparemment. Ça va encore vite, hein, putain. Ouais, ça c'est peut-être un peu mieux. Ouais, c'est mieux, c'est plus mieux. Ok, alors, bon, qu'est-ce qui a changé? On a un casque de moto, les fameux dés, voilà, la balle de basket, les toilettes, encore toujours au même endroit, ouais, on peut déjà tirer la chasse? Non, on peut pas. Dommage. Ouais, bon, ça c'est encore toujours la même chose. Le rallye, il se passe le week-end, hein. Je sais pas si vous rappelez. Il y a des sessions de rallye. Ah non, il n'y avait pas ça encore. Ah, il y a une nouvelle balance, tiens. Qui donne votre poids, quoi. Tout simplement. Ouais, ça va, 79. C'est mon poids. C'est ce que je pèse. Enfin, rajouter 20 kilos, quoi. Les becs de bière. Ah ouais, il y a un petit bloc-notes ici. Pour si jamais on veut écrire des choses dedans. Hein. Teimo commande, voilà, par exemple. On peut acheter des clés à douille. C'est des clés à pipe, hein, clés à douille, clés à pipe, c'est la même chose. Ok, bon, alors. Bon, encore toujours la même chose, hein, pizza, saucisse, lait et lasagne. Là, il n'y a rien qui a changé. Le lit. Enfin, le lit. Qu'est-ce que je dis, moi? La douche, encore toujours au même endroit. Et bien sûr, il y a encore toujours ce fameux sauna. Faut savoir maintenant qu'il y a une gestion de l'électricité. Je vais vous montrer ça directement. Parce que c'est assez important. Si on utilise tout, faut voir que tout est éteint, les lumières et tout, parce que ça peut avoir une incidence sur les factures qui vont arriver. Regardez, hop, ici, vous voyez, fonctionnel, hein. Là, on va fermer la porte parce que sinon la chaleur va sortir. Et donc il y a encore toujours bah, toutes les pièces bah, qu'on avait avant, hein. Voilà, tableau de bord. Des clés à douille normales. Ce qu'on va faire maintenant, pour l'instant, on va directement commander quelque chose de très important. Hein? 350. C'est cher, mais voilà, il faut que je l'achète. Alors, quand je disais que j'avais un peu modé le jeu, ben je mentais pas. Hein, Ah, apparemment les mods n'ont pas suivi. Attends. Je
pense. Ouais, non, ça va tomber. Merde. Petite ellipse. Voilà, enfin, de retour. Donc, comme je disais, j'ai modé un peu le jeu. Je vais directement vous montrer ça. Hein. Donc, hop. Ici, pour l'instant, pas grand-chose de nouveau. Mais, ici, vous pouvez voir la petite moto, hein, la mopette, qui a été repeinte. Et bah, au moins, maintenant, je peux mettre ce que je veux. Alors, normalement, il y a... J'ai perdu ma lettre. Ah, elle est là en dessous, putain. Merde. Putain, ça commence déjà bien. Ah ouais, ça aussi, vous pouvez voir que j'ai enfin une petite béquille. Hein, un kickstand. Qui me permet, en fait, bah, de tout simplement... Voilà, hop. De poser ma moto sans la faire tomber. Enter driving mode, hein, ça... Et pour les gens qui se rappellent, c'est juste un peu chaud pour appuyer sur le kickstand. Ok, impeccable. Je vais me mettre comme ça, voilà. Allez hop, on kick. Départ. Ah, est-ce que j'ai mis l'essence ? Enfin, j'ai activé... Ouais, robinet de carburant, il faut l'activer. Merde. J'ai calé. Juste pour vous dire que la mobilette, je l'ai pas seulement modée au niveau esthétique. Hein. Putain, il est où mon enveloppe ? Oh putain, truc de ouf. Ouais. Putain, ça glisse, hein. Elle est tellement puissante, en fait, que les roues... Mais elle est où mon enveloppe, en fait? J'ai pas l'impression de l'avoir. Ça glisse, tu vois. Malheureusement, j'ai pas de mode où il y a une vue à la deuxième personne. Ou à la deuxième personne. C'est bien ça. Vous voyez, il y a des tas de bois et tout. Hein. Vous entendiez dans le temps les tronçonneuses. Ben maintenant, ben on peut voir les tas de bois. Le jeu évolue petit à petit comme ça. Vous voyez les changements dans le paysage. Hein. Putain, j'ai intérêt à me calmer un peu parce que c'est quand même des routes sinueuses. Mais bon, ça passe. Ah ouais, ça aussi. Attendez. Vous voyez, j'ai mis des barrières de... Enfin, des trucs de chemin de fer. Quoi. Donc quand il y a le train qui passe, bah, la barrière descend. Mais elle descend souvent juste une seconde avant que le train arrive. Donc ça bug encore un peu. Quoi. Autre changement, je pense que... Ça, vous allez le voir après. Et je vais tout vous montrer, hein, tous les modes que j'ai installés, je vais tout vous montrer, je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors apparemment, j'ai un peu compris l'histoire, le mec qui est en bagnole verte là, en fait c'est mon cousin. Vous vous rappelez, le mec qui me prenait en autostop là, ben c'est mon cousin et il peut mourir. Il peut mourir comme nous quoi. Voilà. Tous les personnages en fait dans le jeu peuvent mourir et s'ils meurent ben on peut plus utiliser leur peut plus interagir avec eux quoi. Putain. Ça glisse. Là. Merde. Allez. Putain, je suis coincé. Oh. Elle est où ma lettre? Oh putain, ne dis pas que j'ai perdu ma lettre. Oh. Bon, c'est pas grave. On va quand même aller au magasin.
Elle est où ma moto? Ah. Oh putain. Ah putain. Allez, on va monter dessus, on va essayer de la relever. C'est encore toujours aussi buggé qu'avant, mais voilà, ça fait le charme du jeu, moi je trouve. Par contre, je suis trop en avant là. J'ai l'impression d'avoir mes couilles sur le réservoir. Attendez. Je vais un peu me mettre un peu plus en arrière. Ouais, comme ça, c'est bon. Ok. Allez, c'est reparti pour un tour. Je sais pas si le son du jeu est assez fort, hein. Ça je verrai après la première vidéo. Si jamais il est pas assez fort, je le mettrai un peu plus fort après. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça, même si j'ai l'impression que ça va pas trop fort. Mais bon, avec la petite musique de fond, ça va passer crème. Ouah, ça glisse. Ok. Merde, c'est pas là. C'est pas le robinet de carburant que je vais prendre, c'est le kickstand. Je sais pas où il est. Ah, voilà. Oh, ça tient, hein. C'est bien. Du coup, on va aller chercher à manger. On va prendre... Ah oui, ça aussi, voilà. Ça, c'est que... Ouais, j'ai aussi mis un truc pour traduire le jeu. On a l'heure ici, maintenant. Vous voyez? Une petite horloge qui montre l'heure qu'il est. Bon, il est 6h... presque 6h30, donc... Bon, je pense que le magasin, il ferme à 7h. Ah, c'est marqué ici quelque part. Ah, ici. Ah, jusqu'à 8h ils ouvrent. Donc, les traductions, l'horloge, c'est tous les petits mods que j'ai installés. Non, l'horloge, je pense pas. Je sais plus. Mais en tout cas, ça, le distributeur, le truc que vous voyez là, c'est un truc pour remettre les vidanges. Si jamais on a un bac avec des bouteilles vides. On peut venir les apporter ici et ça nous donne de l'argent en échange. Oh pardon, c'est pas ce que je voulais faire. ouais, mon ticket de loterie, je voudrais le prendre avec parce que système d'inventaire il devrait mettre. Hein. Franchement, ça pourrait aider quoi. Vous pouvez voir que vous avez aussi remarqué que la camionnette n'est plus disponible, donc il faut vraiment aller la récupérer chez son oncle. Il va vous donner les clés pour une journée, et puis après il va vous dire au final, tiens, tu peux garder la camionnette et tu peux rouler avec quoi. Bac de bière, je vais pas prendre directement, je vais prendre quelques chips. Je vais prendre du lait. Hein? Je vais prendre il me faut du deux temps. Voilà. Et par contre, tiens, c'est qui ça? Ouais, il y a de la vie maintenant dans le jeu, c'est bien ça. Il y a de la life. 200 euros.
Putain, c'était cher, hein, chérie. Voilà. Je vais mettre ça dans mon panier. Dès que... Très important, le panier. Terrible. Vous voyez ça? Un vrai chef. Impeccable. Oh, c'est quoi ça? Car light bulb. Ah, c'est des ampoules, tiens. Excellent. Alors, je vais juste voir que je sais placer ça ici entre. Ça va être chaud. Hein. On est déjà occupé depuis 20 minutes, mais bon. Pas grave. Avec le montage, ça paraîtra plus court. Ouais, au niveau du. Comment dire? Merde! Voilà. Ça passe crème. Donc, au niveau. Vous voyez qu'il y a une gestion du poids quand même sur le jeu. Ah ouais, je vais faire marche arrière. Ouais, la marche arrière, c'est pas encore ça, hein. Putain. Bon, du coup, je vais pas savoir prendre le bidon avec, mais c'est pas grave. Ce que je peux faire éventuellement, c'est... Attendez. Il est où le kickstand? Je fous de l'essence déjà dans la moto. Ok. Alors. Bon, je sais que c'est un peu dangereux de faire ça comme ça, hein, quand le moteur est allumé, mais voilà. L'autre, il est occupé à errer là-bas. Hein. Ah oui, il s'est perdu, quoi. Ok. Bon, j'ai assez d'essence dans la moto. Je peux refermer le bazar. Eh merde! Ça tient? Ouais, ça tient. Faut que je trouve mon enveloppe là que j'ai faite tout à l'heure pour mes clés à molette parce que ça va aller beaucoup plus vite à ce moment-là. Faut que j'y vais calmos ici parce qu'il y a souvent des voitures. Il y a plus de trafic ici qu'avant. Hein. Ils ont rajouté 2-3 voitures et des fois c'est dangereux. Quoi. Oh fuck! Non! Oh non! Driver's eye got hit by Bumblebee. Ah ouais, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Oh. J'avais complètement zappé ça. Ah merde. Oh. J'avais complètement oublié. En fait, il faut... il me semblait bien que j'avais oublié un truc. Il faut mettre le casque qui se retrouvait dans notre chambre, il faut le mettre parce que sinon on peut se faire tuer par une abeille, hein, en roulant sans casque. Bah écoutez, pour un premier épisode, je pense qu'on va s'arrêter là et on se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode, si jamais ça vous plaît. Bon, si ça vous plaît pas, bah on ira faire autre chose, hein, sur un autre jeu. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao.